YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Cozy Island Craft and Build, qui est un petit nouveau jeu qui vient de sortir sur Android, et je vous mettrai le lien de téléchargement du coup de l'Apple Store et de l'APK dans la description, parce que comme vous voyez en bas à droite, il en bêta teste le jeu là, donc il n'est pas dispo pour tout le monde dans tous les pays. Donc bref, c'est un petit jeu où il faut se balader, il faut faire notre vie et tout, il faut farmer, il faut faire des trucs. Là je dois réparer un pont. Et du coup je dois couper un arbre. Alors il y a un petit truc, c'est que pour l'instant j'ai pas accès au réglage. Donc pour l'instant il n'y a pas son nom de jeu. J'espère qu'il y en aura par la suite. Tu collectes ressources à projet et cliques the action button. Ok. Alors attends. Ah, faut que je coupe l'arbre, il faut que je ramasse aussi à la main. D'accord. Oui, ça c'est nouveau ça. Il n'y a pas ça dans la plupart des jeux. Tu coupes l'arbre, t'as direct les ressources dans la... dans ton inventaire, et on a des racines. Je peux pas ramasser les racines, je peux pas ramasser la plante pour le moment. On va réparer du coup le pont qui est censé nous donner accès à notre maison, on va dire. Je vérifie, mais ouais, le son du jeu est à fond, il n'y a pas de son dans le jeu pour l'instant, pas de bruitage ou quoi. Alors build as foundation support, donc il me faut 3 cailloux et caisse à outils. Continue. Le jeu en vrai devrait a l'air ultra sympa. Visuellement, graphiquement, je trouve, il y a un bon délire. Attends, parce que le perso il s'arrêtait. Non, le perso s'arrêtait juste parce que j'ai arrêté d'appuyer sur les touches. Parce que je suis un imbécile. Alors, ok, donc ça va être ma maison. Et je peux enclencher la quête pour construire ma maison. D'accord, du coup il va falloir 3 cailloux et une boîte à outils. J'ai déjà des boîtes à outils apparemment. Les cailloux, ça se passe comment? Est-ce que c'est comme les armes? Ouais, du coup, je dois cliquer 3 fois, casser le caillou, ramasser les cailloux. Oh, il y a eu du cuivre. Du cuivre, je pense que c'est. Copper, est-ce que ça va être du copper? On peut pas voir ce que c'est. D'accord, ok. Bon, après, comme c'est écrit à l'écran, bêta test. Donc, ça m'aurait... Attends, ça, c'est les fondations, ok. Ça m'aurait étonné qu'on ait déjà tout dans le jeu. Ah non, c'est fondation support. Ok, après il nous faut 6 cailloux. Je peux soit les farmer, soit les acheter avec des pièces. Oh, ça y est, on a accès au réglage. Alors, English Russian. Ok, d'accord. Tap contrôle vibration. Ouais, sur l'émulateur, les vibrations, ça va être giga sympa. Player name, je peux changer ou pas? Player name, je peux pas changer. Reach level 2 to unlock. Recipe book. Ok, il y a un livre de recettes. Attends, c'est multijoueur ou pas le jeu? Waouh, déjà il y a une boutique. Déjà il y a une boutique. Le jeu en bêta test, c'est une boutique. Qu'est-ce que vous me faites là? Ok, bon, il me faut 6 cailloux. Et il n'y a pas de son. Après, peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de son, c'est voulu. Ah, mais tu peux débloquer d'autres îles et... Ok, je pense, en fait, je pense que c'est full solo. Je peux ramasser visiblement des racines. Il y a de l'air. Peut-être que je vais faire des bandages avec. Peut-être qu'il y a des zombies dans le jeu. Il y a un autre truc à gauche là. Il y a des îles en haut. Il y a énormément de trucs. Ah, attendez, j'ai très mal réglé mes... Hop, j'ai très mal réglé mes touches. Le perso se déplace à deux là. Donc là, faut que je recasse des cailloux pour améliorer ma maison. Attends, là, c'est différent l'animation. J'ai juste mis un coup et ça m'a fait... Ça fait un caillou par un coup. Alors qu'avant, il fallait que je mette 3 coups pour me débloquer le caillou en entier. Ok, pourquoi pas. On va tout casser. Attends, j'ai inventaire illimité ou pas? Ah, ça, je peux stocker 500 cailloux. Attends, mais parce que moi tu me connais pas en fait, je vais raser l'île. Je parle pas de la ville, hein, mais je vais raser l'île là où je suis actuellement, juste pour me mettre full en ressources en fait. En tout cas, j'aime bien le délire. Je suis étonné parce qu'en fait, s'il y a... J'ai pas regardé qui faisait le jeu. Mais s'il y a écrit les langues russes et anglais, c'est forcément que la boîte elle est russe. C'est forcément que le jeu est dev par une boîte russe. Sinon, il y aurait d'autres langues, il y aura pas le russe spécifiquement en fait. Ok, je pense qu'il y a un tableau des quêtes. On va avoir des quêtes journalières à faire. Ok, je peux ramasser le gros buisson. Je pourrais aussi ramasser le gros buisson. J'ai absolument tout ramassé dans le jeu, c'est incroyable. Alors, hop. Ok. Est-ce que, attends, j'ai ramassé un peu de cailloux en avance. Est-ce que avec le peu de cailloux que j'ai ramassé, je peux avancer? Non, il me refaut 2 caillasses. Ok, on va collecter ça. Il faudra du bois aussi. Vous savez quoi? On va essayer de choper du level up. Ok. Crafted at the mill, ok, je sais pas qu'est-ce que c'est le mill, mais tranquille. Ah, c'est peut-être l'atelier derrière. Attends, mais ma maison elle est toute petite en fait.
Okay, donc là, je peux me crafter des outils parce que du coup, mes outils, ils ont de la durabilité, évidemment. Évidemment, évidemment. Alors, il me fallait du bois et de la caillasse. On va retourner par là-bas. Tiens, il y a un caillou là qu'on va finir. Qu'est-ce que c'est que cette petite emote? Ressources recovery in. Ah, les ressources rip-up sur la map. Trop bien. Trop bien. Du coup, t'as pas besoin de forcément t'aventurer sur les autres îles pour débloquer et tout. Tu peux juste attendre que ça rip-up de ton côté. Ok, ok. Non, parce que... En vrai, il y a des petits détails comme ça dans les jeux que j'aime bien. Sur certains jeux, on voit que les devs ont joué à d'autres jeux et qu'il y a des trucs qui les ont fait clairement chier dans d'autres jeux. Genre, moi, il y a des jeux que j'ai testés où fallait que tu débloques une autre île pour avoir ça, aux autres ressources, t'étais bloqué sur ton île principale et tout, fallait avancer dans l'aventure, c'était extrêmement chiant. Et là, en vrai de vrai, ça, c'est pas mal. Le fait que les ressources, du coup, respawn sur la map. Je sais pas si, du coup, toutes les ressources respawn au même moment. Ou si c'est un peu chronologique, genre bah l'arbre il repousse 2 heures après que tu l'aies coupé, ou vraiment 2 heures après il y a absolument tout qui revient. C'est du coup peut-être plutôt cool. Du coup on va finir la maison en tout cas. Use the mule to get a resource, let's try it. Ah c'est ça que la petite icône. Oh il y a une autre maison. Attends, est-ce que je peux réparer ce pont là? Je peux pas réparer le pont là. Par contre, le pad est plutôt chelou. Hein. C'est pour faire le mec chiant, je tiens à dire que le pad est plutôt chelou. Ok, on a un truc pour couper le bois ici et faire des planches du coup. Continue. Item à craft on the conveyor. Ok. 30 secondes, évidemment, on est sur un jeu mobile. J'imagine que plus. Ah. Attends, mais c'est ce que j'ai fait et le jeu m'a dit non. Speed up, ok. Wow, 60... Non, je... Attends, parce que si je dis pas de bêtises, j'avais 60 pièces. J'avais 300 pièces, pardon. Ça coûte souvent 100 pièces, là. Juste pour 30 secondes. You footing off my girl, en fait, c'est pas possible. Non, mais on va mater les autres crafts en attendant. Qu'est-ce qu'il y a? On a une chaise, on a une table, on a des jouets en bois. Toujours pas fini. Un petit peu... Ça va pas la tête ou quoi? Ça va faire claquer des pièces, là. C'est bon. Il y a pas de speed up ici. Vous êtes des fous, quoi. On attend. Eh... Hey. Ouais, 450 pièces, j'ai... Non, mais vous êtes des malades ou quoi? Daily task. Oh, il y a des quêtes quotidiennes. Trop bien. Je vais pas vous mentir que je m'attendais à ce que le jeu n'ait absolument rien dedans, parce que de ce que j'avais vu, c'était juste des mecs qui se baladaient, qui coupaient du bois et cassaient des cailloux. J'avais même pas vu qu'il y avait des quêtes, et etc. Je me suis juste dit, le jeu, il est joli. En vrai, de vrai, il n'y a pas un bail à l'Animal Crossing, avec la façon dont la map tourne. On s'approche de l'eau et tout. Au niveau de la caméra, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un bail à l'Animal Crossing. Mais du coup, en mode, peut-être qu'on pourra buter des monstres, alors que buter des monstres dans Animal Crossing, c'est pas trop faisable, quoi. Je peux pas ramasser la grosse citrouille, peut-être que mon personnage doit faire des pompes avant, on n'est pas assez costaud, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'apparemment, la citrouille, c'est non, on n'y touche pas, ou alors la citrouille n'est pas assez mûre. Attends, je vais ramasser du bois en attendant, parce que je sais plus qu'est-ce qu'il me demandait. C'est... Ah si! Ah mais si, j'ai accès à la hoquette. J'allais dire, c'est dommage que le jeu nous montre pas, mais en fait, si, je peux cliquer. Je vais me déplacer avec la souris, parce que le pad, il déconne. Hop, alors. Build. C'est pas du tout ce qui était montré sur l'image, mais vas-y. Build. Ok, j'ai bien fait de faire mal avant ça. Ok, j'ai fait un escalier. Putain, mort, la maison est toute petite en vrai. Oh, un nouveau perso. Oh là là, ça sent le mec, le pêcheur à qui on va devoir filer des ressources et qui va farmer pour nous ça. Ouais. Ça sent le mec qui vient genre toutes les 6 heures et qui nous échange des ressources ou des trucs qu'on peut envoyer et tout. Greeting of the owner of the island, I am the local merchant. En gros, c'est le marchand local, il a vu qu'on construisait quelque chose et du coup, il s'est... il peut pas nous laisser là sans rien faire, il... Voilà, bref. Donc, les habitants du monde ont besoin de différentes ressources. Et il cherche un maître, mais pas dans le sens un maître genre vous savez avec des fouets et tout, mais pour l'aider avec ses trucs et tout, et voilà. Donc en gros je lui file des ressources et lui me file des récompenses. Du coup en fait ça vaut le coup de tout ramasser sur la map hein. Donc il est là pour un temps limité. Ah oui, faut être là pour 3 jours quand même. C'est une grosse limite de temps ça, 3 jours en fait pour un jeu mobile. Ah, attends, je vais ramasser, je continue de récolter des ressources. Mais en vrai, de vrai, l'inventaire il est gigantesque. Si tu peux stocker 500 ressources de chaque, le mec t'en demande une dizaine à chaque fois. C'est incroyable, tu peux farmer de ouf en avance en fait.
J'aurais dû bind une touche sur le clavier pour tout ramasser en fait. Hop. Je continue à couper du bois parce que je me rappelle plus qu'est-ce qui me manquait là pour améliorer. Ah, il me fallait encore une planche de bois. Bah écoutez, on va couper du bois. On va relancer du coup des planches de bois à crafter pendant que on ramasse tout ça, nous. Yes, ramasse. Le personnage, il est un peu lent des fois quand faut ramasser des trucs, mais vas-y, je vais rien dire. Je vais ramasser on aurait dit un peu des tulipes, mais c'est pas trop des tulipes, mais c'est un genre de tulipe. Parce qu'on est sur une île qui pousse. Ah, attends, on va faire ça, on va faire ça. Ah, faut que je collecte d'abord avant de pouvoir lancer mes trucs. Ok, ok, j'ai plus de bois. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me voulait du coup? Une planche. Après, il me faut 6 de bois. Écoutez, on va ramasser 6 de bois. Ok, le personnage est à moitié bourré. Hop, yes, on ramasse. Donc, du coup, il va falloir que je coupe un autre arbre. Et de toute façon, j'ai 12 arbres à couper pour la quête quotidienne. J'aime bien le jeu en vrai, il y a un petit bail assez chill et tout, c'est dommage qu'ils soient pas sur iOS. Vraiment dommage qu'ils soient pas sur iOS parce que je pense que j'aurais chill sur le jeu, en vrai de vrai. On va ramasser ça, je peux ramasser les plantes qui sont dans la flotte ou pas? Je peux pas me baigner, dommage. Dommage, dommage, mon personnage va rester sans prendre de douche du coup. Vrai geek le perso, il ne manque plus qu'un clavier RGB, on a la totale. Ok, ça c'est fait. J'ai ce qu'il faut. Ah non, j'ai pas ce qu'il faut du tout. Comment on récupère ça? Comment je peux récupérer le building kit là? Scheiße, je peux pas le récupérer? Ok, j'ai reçu des nouveautés. Attends. Comment on chope ça? Me dis pas que c'est que je vais être limité par jour. Ah, donc en fait, je vais débloquer des crafts que le marchand va me demander. Le perso est giga chiant. Hop. Ah, je récupère ça avec le marchand. Ok, du coup il revient dans 30 secondes, d'accord. Non mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il manque 3 de bois. Toujours, ça va le jeu là, tu... Chaque fois tu me demandes des trucs. Attends, on peut capturer les papillons qui volent là ou pas? Je pense qu'on pourra peut-être les capturer après. Est-ce que j'ai toujours pas accès au pont? J'ai toujours pas accès au pont, dommage. Dommage, dommage. Ok, vas-y, on va couper l'arbre. C'est quoi, je vais ramasser le buisson là parce que le buisson me gâche la vue ici. J'aimerais bien un petit truc un peu dégagé là. Hop. Build, ok. Et après, de toute façon, après il va me redemander un truc building item, je sais pas quoi. Là, il va me redemander ça. Et du coup, il va falloir que j'aille parler au marchand qui normalement est revenu. Ok. Wow. Attends, ça on l'a déjà débloqué? Doit y avoir un atelier de pierre ici. Yes. Il m'en a demandé qu'un? Je crois qu'il m'en a demandé qu'un. Putain, j'aime bien le genre. Il y a une bonne vibe, un peu chill et tout. J'ai cassé le caillou là pour récupérer parce que de toute façon il me fallait des... Je sais pas si c'était du copper ou de l'argile ou quoi que le mec me demandait. Mais il me demandait autre chose que le caillou de base. Ah mais attends, c'était celui-là non? Par contre... Je pense que c'est pour la bêta qu'ils mettent à 500 là, mais si jamais on a... Parce que je pense que je vais laisser le jeu de côté pour attendre qu'il sorte sur iOS ou qu'il sorte en version globale. Mais si jamais il y a 500 items de chaque dans l'inventaire à la sortie globale du jeu, c'est incroyable en vrai. Ça veut dire que tu peux passer vraiment ton temps à farmer de ouf, tu peux te poser pendant 2 heures et farmer. Et après, tu peux être tranquille pendant plusieurs jours pour faire ton marchand, pour faire tes quêtes, pour avancer dans le truc et tout, c'est plutôt cool. Et de toute façon, il faut quand même que tu te coupes pour faire les quêtes quotidiennes. Dans tous les cas, ça ne dérange pas en vrai, s'il vous plaît les développeurs. Exchange. Il me refaut une brique du coup. Attends, parce que le perso marche à 2 alors que je suis avec le clavier. Eh mais attends, on a eu full pièce. Ah, attends, mais les pièces sont farmables en fait. Collect. Vas-y, je vais refaire 2. Parce qu'à mon avis, il m'en faudra plus tard dans la maison pour le toit ou je sais pas quoi.
En fait, les pièces sont farmables. Je pensais que c'était un truc pay to win, pay to fast, slash, je sais pas trop ce que ça donne. Ok, et là, il revient dans 30 secondes. Ah, je peux bouger la cam. Je viens de découvrir une fonctionnalité du jeu, incroyable. Hop, alors, ça, je peux le faire. Putain, il manque une planche de bois. Et ça, qu'est-ce qu'il me faut? Une planche de bois, deux briques. Ok, du coup, va falloir que je refasse... Ah, mais attends, mais il me faut deux... Il me faut deux toolkits, là? Pour après? Attends, attends, attends! Wouah! Non, mais... Oh, parce qu'il me faut, du... il me faut du verre et tout. J'imagine que tant que c'est pas fini, j'ai pas accès à ma maison, du coup. Parce que là, je suis parti pour... je me suis embourbé dans un, truc, là. Je peux faire quelque chose avec ça ou pas, avec la charriette, là? Je peux absolument rien faire. Ah ouais, on est parti pour 10 jours. Collecte. Ah, il me faut des de ça pour faire de ça. Et après, j'imagine il faudra de ça pour faire de ça. Ok. Ah, oh, j'ai fait une quête quotidienne, collecte. Je gagne de la fame. Et j'imagine que l'XP... L'XP, c'est juste je débloque des crafts ou je débloque vraiment autre chose? Ah, ok, au level 5, tu vas débloquer ça. Mais en vrai, de vrai, est-ce que là... Est-ce que là, vaudrait mieux pas ne rien débloquer et du coup... ah, mais ça me donne dans tous les cas de l'XP. Damn. Parce que là, je me suis dit, en vrai, de vrai... Il vaudrait mieux que je ne débloque rien. Comme ça, avec le marchand, j'ai juste des quêtes à deux balles. Je peux débloquer du coup des, toolkits facilement et rapidement. Mais en fait... non, je vais pas pouvoir faire ça. Donc en fait, non, va falloir farmer. Et en fait, t'as pas le choix. Tu vas être obligé de débloquer du coup les nouveaux crafts. Et j'ai l'impression que tant que j'ai pas fait ma maison... Ah, mais il me refoule une planche de bois. Tant que j'ai pas fait ma maison, en fait, je peux pas avancer dans l'aventure. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Si jamais une vidéo numéro 2, un épisode numéro 2 là-dessus vous intéresse, vous me le dites. Je vais checker de mon côté, voir s'il n'y a pas un Discord du jeu pour demander des infos sur iOS. Parce que imaginez, je fais la vidéo là, j'avance sur Android. Pour l'instant, il n'y a pas de moyen de, se connecter à Facebook ou à Google ou je ne sais pas quoi. Et du coup, il faudrait recommencer sur iOS. Donc écoutez, si jamais une vidéo numéro 2 vous intéresse, vous me le dites, histoire de, d'avancer un peu dans le jeu et que je farm en off pour voir ce que donne la maison, voir tout ce qu'on peut faire dans le jeu et tout. Faut que je relance du coup des, planches de bois. Vous me dites en attendant, bah, je vais checker du coup s'il n'y a pas un Discord, si on peut pas voir quand est-ce que le jeu sort officiellement sur iOS. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le jeu vous plaît. Je vous abandonne là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, amusez-vous bien, à la prochaine, salut, salut, bye bye.